Yo le clan! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre Gisbourg qui réagit à vos rappeurs, rappeuses et artistes préférés où qu'ils soient dans le monde. Je les cherche, je les trouve et je vous les ramène ici. Les gars, on rentre en plein directement dans l'écurie du rap ivoire avec Weed Guns, l'un des petit de Didi B qui est sorti il y a depuis longtemps, qui continue de faire son chemin un peu tout seul en Inde ou avec sa propre maison, sa propre équipe et qui ne manque pas de péter les scores parce que maintenant, à chaque fois qu'il sort quelque chose, c'est une tuerie depuis Day, depuis Shallow Fort, tout ça, With Gun est de plus en plus fort depuis maintenant 4 ans. On va aller réagir pour le son en featuring avec Baby Chopa, Halloween. Let's go, look. Baby Chopa, Halloween, let's go, non? C'est effrayant, c'est Halloween, tu es une star comme à Hollywood, je connais la galanterie. Que quand la poussière est good, t'as même pas de dignité. Tu te masturbes sous la douche. Ce que j'ai, je l'ai mérité. Avec personne, je fais la course. Avec personne, je fais la course. À ta grande soeur, je fais la cour. Bitcoin trading, taux de la bourse. Sauce graine avec viande de la bourse. Lis-le, lis-le, lis-le. Ah, les petits vont lis-le. Devant la police, tu lis-le. Fumer le chocolat, le milou. Tu plus voir que toi c'est évident. Renoir la baisse devient rouge à ses mille ans. Quand ça rentre on danse comme Roger Mila. Quand l'argent rentre on danse comme Roger Mila. Fais les serpents comme le Ronaldinho. Tirer le gouvant comme Juninho. Fais les 10 dents comme les Nino. J'parie l'argent comme au casino. Très 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 fort le style de rap qu'il a adopté. Je pense que c'est un style qui le va beaucoup plus dans ses anciens sons. C'est ce style plutôt chanté qu'il allait bien. Et oui, c'est un bon rappeur, mais je pense que dans le style chanté de cette façon-là, c'est là où il fait toujours ses meilleurs hits. Pour moi, ses meilleurs hits. Après, chacun a son appréciation sur les sons de Wiz Guns, mais à chaque fois qu'il est monté sur un beat comme il monte sur celui-là, je pense qu'il a toujours fait du sale, tu vois. Et là, il est encore en train de faire du sale avec beaucoup de punchlines, beaucoup de textes. Tu t'attends pas à ce qu'il écrit vraiment quelque chose de machin. Après, l'instrumental ne te demande pas, c'est plutôt un instrumental un peu plus chill, tu vois. Un peu, c'est Halloween, va faire du shopping, va voilà. Donc, il est en train de nous proposer un peu un délire. Je m'emballe, tu vois. Un peu, je suis en train de chante, je rappe, je vais juste faire bounce, je vais juste faire chill, je vais juste faire hype, les gars, tu vois un peu. C'est un style plutôt américain. Là, je comprends pourquoi dans sa barre de commentaires sur Instagram, la plupart des gars l'appellent un peu le Drake de Côte d'Ivoire, tu vois un peu, parce que même le thème vocal se rapporte un peu, tu vois. Se rapporte un peu et c'est un gars qui fait bien son chemin. Je pense que son style est à part et c'est bien. Clip, beau clip déjà aussi. Beau clip, très très beau clip. Quoi que je dise, que je fasse, ils sont là, suivent mes traces. Comment je vais faire? Quoi que je dise, que je fasse, ils sont là, suivent mes traces. Comment je vais faire? Faut de l'or sur les dents, faut les grosses sommes. Aucun euro va t'y sortir pour grosse hein. Elle aspire, elle avale les gosses. Dans le studio, t'entends que les. Elle a aspiré, elle avale les gosses. Sale. Y'a pas de compétition, elle est flasque. J'peux changer de planète dès que je mets le casque. Toutes les pilules ici sont néfastes. Des rappeurs préférés sont mes fils. Toujours dans le futur, j'mets la distance. Elle m'appelle quand la nuit tombe. La pièce est pleine de vis. Faut plus de zéro pour changer de vie. Hey, j'suis nécro-ré.
Il faut plus de zéro pour changer de vie. Il dit que lorsqu'il entre au studio, il est dans un autre univers. Ça, c'est des vrais artistes, tu vois. C'est des vrais artistes. Le vrai artiste, c'est celui que tu vas vraiment différencier de celui qui est dans la vraie vie et de celui qui est dans son studio, ou de celui qui est sur scène et de celui qui est dans ton studio à celui qui est dans la vraie vie. Être artiste, c'est un peu être acteur. Acteur de quelque chose, acteur de son mouvement, acteur dans le sens où tu vas vraiment aller proposer aux gens différentes personnalités. Après, il y a ceux qui arrivent vraiment à lier la personnalité qu'ils ont en dehors de la scène, à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais être artiste, vraiment, c'est pouvoir jouer tous les rôles possibles, tu vois. Et c'est pouvoir se retrouver dans sa bulle une fois qu'on est dans son studio, une fois qu'on a mis son casque sur la tête. Compétition qui se perd, jamais forcé pour me séparer de vous. Dans la ville, on fait parler de nous. Quoi que je dise, que je fasse, ils sont là, suivent mes traces. Comment je vais faire? Quoi que je dise, que je fasse, ils sont là, suivent mes traces. Comment je vais faire? C'est effrayant, c'est Halloween. Tu es une star comme à Hollywood. Connais la galanterie, que quand la poussière est goût, y'a même pas de dignité, tu te masturbes sous la douche. Ce que j'ai, je l'ai mérité, avec personne je vais la cause. Je connais la galanterie que lorsque la poussière coude, tu n'as même pas honte, tu te bolos sous la douche. Bon clip, un style ricain. Regardez déjà son manteau de fourrure. Bon clip, style ricain. Bien fait. Bon tournage. Instrumental au top. Les artistes au top. J'ai kiffé la réaction. J'espère que vous aussi, derrière vos écrans, vous avez kiffé cette réaction de Wits Guns en featuring avec Bébé Chopa à Halloween. Merci le clan d'avoir regardé cette réaction. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Plein de choses vont arriver chez vous, les gars. Soyez prêts, soyez prêts. Allez, à la prochaine et merci pour la force et le soutien que vous portez à la chaîne, le clan. Merci.